Qu'est-ce que tu veux, Mimi? T'es pas contente? Allez, on va faire le tag. Tu viens avec moi? Ouais. Tu viens avec moi, on va faire le tag. Qu'est-ce qu'il y a dans la salle de bain? Ça te dit? Allez, viens, Mimi. Donc, le tag, qu'est-ce qu'il y a dans ma salle de bain? Donc, en fait, je fais ce tag directement dans ma salle de bain. Ce sera plus simple parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Alors, dans ma salle de bain, qu'est-ce qu'il y a? Alors, donc déjà, voilà ma salle de bain. Enfin bon, bref. Bon, là, c'est un petit peu des cochonneries en désordre. Alors, déjà, il y a une salle de bain. On se la partage à deux. Bon, évidemment. Donc, on a des étagères. J'ai un meuble que je vais vous montrer après. Il y a encore des produits dans la douche. Donc, je vais essayer de faire ça assez stratégiquement. Donc, déjà, ici, sur l'étagère, il y a un petit peu des produits... à nous deux en fait on va dire. Donc bon, de la crème Nivea qui sert pour tous les bobos de tous les jours. Le déodorant, ça c'est pas le mien. La laque, vous avez ensuite, ça c'est mon... C'est mon lisseur protecteur de chaleur. Ça c'est à moi. Donc ben, ma lotion arbre à thé, j'ai donc fait une revue sur ma chaîne. Donc The Passion Makeup sur toute la gamme arbre à thé de The Body Shop. Donc si vous voulez aller voir la revue sur toute cette gamme, je mets le lien de ma chaîne dans la barre d'infos. Ensuite ben, ma crème Uriage, un démaquillant, ça c'est les lunettes de Guillaume. Mon autre démaquillant Marionno, ça il est biphasique celui-là. Le L'Oréal là derrière, il est pas biphasique, donc pour tous les maquillages waterproof, c'est pas très pratique. Mon lait corporel, donc The Body Shop à la menthe que j'avais présenté dans ma vidéo des favoris du mois d'avril. Dans ma douche, enfin dans ma baignoire, qu'est-ce qu'on a? On a le Full Repair de John Frieda, qui est mon après-shampoing, de la mousse à raser, notre après-shampoing, des savons Lush, rasoir. Mon shampoing, donc ça c'est le Go Blonder de John Frieda, c'est le Sheer Blonde. Donc je vous en parlerai de ce shampoing dans ma vidéo des favoris du mois de mai sur mon autre chaîne. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Parce qu'à la base je suis pas du tout blonde, mais j'utilise donc ce shampoing ben, depuis un mois à peu près. Et même si je suis pas blonde, il m'a quand même éclairci les cheveux. Donc c'est un petit peu sympa quand même comme shampoing. Ensuite, ici qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai mon gel Avène que j'adore, qui me sert de démaquillant. Le gel douche de Guillaume, son shampoing, son autre gel douche, mon gel douche à la mangue de The Body Shop aussi, qui va donc avec mon gommage pour le corps et ma crème hydratante. Je parlerai de ce gel douche aussi dans ma vidéo des favoris du mois de mai sur mon autre chaîne. Ça c'est un shampoing boucle que j'ai acheté à ED. Quand ma soeur est venue, elle a oublié son shampoing. Comme elle a les cheveux bouclés, donc elle s'est acheté un truc. Voilà, donc là il est dans ma salle de bain, mon gel intime. Ensuite, donc le nettoyant de la gamme Arbre à thé, qui est vraiment super génial. Deux roses de douche, la mienne en haut, celle de Guillaume en bas, le pommeau de douche. Ensuite ici, bon ben Nakora pour faire sécher les serviettes, c'est pas dément. Et donc ça c'est mon meuble, mon petit meuble de salle de bain que ma maman m'a acheté sur... je sais plus quel magasin c'est... Je crois que c'est béquet, mais je suis pas sûre en fait. Donc c'est un support mural en fait qu'on a collé avec du ni clou ni vis de Patex. Et ça colle vraiment super bien. Donc là il y a 4 tiroirs. Donc à l'intérieur de celui-là on a eh bien, ma montre et mes bracelets. Ensuite, pardon, ensuite on a les cotons ici. Les cotons tiges dans celui-là. Ensuite... donc sur la rambarde, donc j'ai des savons que j'ai mis plus en décoration en fait qu'autre chose quoi. Donc voilà, excusez-moi je filme en même temps je dévie la caméra. Donc des savons, le gel après rasage de Guillaume, un autre déodorant avec Guillaume parce qu'il aime bien changer de déodorant. La petite huile de la gamme Arbre à thé de ce Body Shop. Mon gommage pour le corps. Mon déodorant, oh, franchement il est génial ce déodorant, c'est le Mon Savon et il sent vraiment super bon. Pierre d'Alain et Corail Rose, il sent mais juste magnifiquement bon quoi. Et mon masque donc Lush, la grande menteuse. Donc voilà, ça c'est pour ce meuble là.
Ensuite, il y a le placard ici. Donc là-dedans, rien d'exceptionnel, hein, de la réserve pour quand on va manquer de choses. Et puis un tiroir là, donc avec des tonnes de pchit et Évian que mon beau-frère a eu en partant sur un chantier près de là-bas. Donc voilà, il a eu ça. Donc j'en ai deux grosses bouteilles en fait. Donc j'ai ces deux grosses bouteilles là qui sont qui font je sais pas combien. Elles font 400 millilitres, je crois. Ouais, 400 millilitres. Et après, j'en ai 7 autres petites comme ça. Et elles font 50 millilitres. C'est assez pratique quand il fait chaud pour se rafraîchir, quand on manque de démaquillant aussi, c'est assez pratique. Ça, c'est mon lisseur, le séchoir, la tondeuse, les lentilles de Guillaume. Donc ça, voilà. Ah, ma machine à laver. Rien d'exceptionnel. Et donc voilà. Et moi, accessoirement. Donc voilà les filles, j'espère que ce tag vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochains tutos. Salut!